Bonsoir. S'il vous plaît, n'essayez pas de deviner parce que j'ai fait le maximum pour vous cacher cela. Donc, je vous en prie, attendez ma présentation jusqu'au bout et seulement devinez. Alors, ce soir, nous sommes gâtés encore une fois par des personnes extraordinaires qui méritent ce prix. Parce que ce prix aussi représente beaucoup, c'est un prix d'honneur qui honore le courage de Victoire Ingabire Umuhoza, qui lui est dédiée par ce qu'elle a pu faire et qui est pour nous un exemple. Mais ce prix récompense et reconnaît le travail de tout un chacun qui y a fait aussi des gestes très significatifs et qui a pu travailler pour la paix et la démocratie, surtout dans la région des Grands Lacs africains. Et si c'est au Rwanda, c'est encore mieux. Alors ce soir, je veux vous présenter un monsieur. Il est le défenseur de l'information juste dans l'objectif de résolution de conflits. C'est un homme dévoué pour la justice et la paix. Il ne cherche jamais les feux de la rampe, mais il est toujours là, prêt à rendre service à ceux et celles qui se battent pour les droits de l'homme ou de la personne, la liberté d'expression et la liberté tout court. Dès la fin de 1993, il s'est penché sur la tragédie rwandaise. Il a été une des personnes qui a inspiré la contribution canadienne et québécoise à la résistance de la propagande du FPR et a aidé à réfuter les mensonges, surtout d'Alison Desforges. Il a aidé à chercher des avocats compétents et dévoués. Il leur a expliqué les enjeux de cette région. Il a joué un rôle important dans la défense et l'approche de défense collective. Il a fait connaître régulièrement les événements du Rwanda et ailleurs en Afrique à son émission diffusée partout au monde. Récemment, il a contribué au travail en appui aux réfugiés rwandais menacés par la cessation de protection par l'UNHCR, plus particulièrement en Zambie et au Congo Brazzaville. Il a publié en ligne pour qu'il y ait enfin une réponse à la propagande du FPR, une version anglaise du livre « Ça ne s'est pas passé comme ça à Kigali » que tous les édits... que tous les éditeurs ont refusé de publier. Ah, maintenant, c'est le moment, vous allez deviner. Il est l'animateur de Taylor Report, qui est la seule émission de radio du monde anglophone qui, depuis 1993, cherche à diffuser la vérité sur la stratégie rwandaise, mais aussi celle qui a été infligée au Congo et dans toute la région des Grands Lacs, même pendant les années les plus sombres. Depuis 2011, il a présenté approximativement 66 émissions sur l'Afrique des Grands Lacs et sur les tribunaux internationaux, y compris plusieurs émissions sur Victoire Ingabire Umuhoza. Alors j'ai nommé Monsieur Phil Taylor. Monsieur Phil Taylor, encore un applaudissement s'il vous plaît. Il nous vient du Canada
Toronto encore. Alors, ce soir, bon, malgré que moi j'habite au Canada, mon anglais n'est pas assez, est tout à fait simple, disons. Alors, j'ai ce soir avec moi Maître John Philpott, d'ailleurs qu'on aurait pu présenter, qui est venu du Canada aussi. Pour nous, et qui veut se faire le plaisir de traduire un petit peu pour Monsieur Taylor, parce que lui ne parle pas français du tout. We misunderstood. Phil's going to make a presentation. Il va présenter quelque chose un peu plus tard. Je vais traduire ce que toi tu as dit. I'm going to translate into English what you said about Phil. All right, and. Phil is a person who defends the right to information, one of the most for resolving conflicts. He's a man who's devoted to justice and peace. He never tries to get attention. He's always there to help those who struggle for rights, human rights, and liberty. From 1993, he's been following closely the Rwandan crisis. He's one of the people who inspired the work in Canada resisting the RPF and contradicting the lies of Alison DeForge. He helped to find competent lawyers, devoted lawyers, to explain the struggle at the ICTR. He contributed an important role in the collective approach to defense at the ICTR. He has provided information on a regular basis about Rwanda and elsewhere in Africa and in the world. Recently, he contributed to the work for the refugees in Brazzaville and Zambia. And I can tell you that's true because I was working with him. And he's published the book Il s'est pas passé comme ça en Kigali on his website. It's called Colonialism Dies Hard. He's the animator of the Taylor Report, which is the only English language emission since 1993, who's been trying to bring out the truth about the Rwandan crisis, the Congo, and the Great Lakes crisis. Since 2011, he's produced approximately 66 shows on the Great Lakes area, international courts concerning Victoire Ingabire, and other areas of the world. By the way, I invite you to listen to the Taylor Report. Hello. So this is Phil Taylor, who's now the winner. Nous avons choisi en fait de faire les présentations un tout petit peu plus tard, mais pas très loin, mais c'est juste qu'on voudrait nommer les deux lauréats pour que vous puissiez les applaudir et puis après les écouter. Alors, pour le deuxième lauréat, là, j'ai vraiment du mal à vous cacher jusqu'au bout, donc je ne sais pas comment ça va être, mais je vais essayer.
J'y ai travaillé peut-être 2 heures pour être sûr que vous ne devinerez pas avant ma présentation, avant la fin de ma présentation. Donc, s'il vous plaît. Il est journaliste d'investigation. Sur la tragédie rwandaise et son extension au Congo Zaïre en font incontestablement un expert reconnu sur le plan international. Depuis de nombreuses années, il dénonce inlassablement le système de pensée unique que tente d'imposer ceux-là même qui ont précipité la région des Grands Lacs dans un chaos mortifère. Ceci lui a valu, en 2002, un procès pour diffamation devant le tribunal de grande instance de Paris, intenté par l'État rwandais et son président Paul Kagame, et ce, suite à l'apparition de son livre « Les secrets du génocide rwandais », écrit en collaboration avec Deo Mushaidi. Vous n'avez pas encore deviné, hein? Son champ d'investigation ne se limite pas aux événements déclencheurs du génocide. On n'a pas encore deviné, s'il vous plaît. Son champ d'investigation ne se limite pas aux événements déclencheurs du génocide rwandais. Il concerne également l'appui significatif fourni par plusieurs pays anglo-saxons au FPR. APR. Ah, pas sûr. Attendez la fin. De façon tout aussi engagée, il dénonce des errement d'une justice internationale, dénonce des errements d'une justice internationale totalement inféodée à des intérêts partisans, peu soucieux du besoin du peuple rwandais et congolais, à plus de justice et d'équité. Le militantisme qu'il déploie, je n'ai pas dit son nom, hein, depuis près de 20 ans, pour la cause de la vérité et de la justice, vient de connaître une étape capitale. En effet, le 21 décembre dernier, à l'issue d'un travail de recherche de plusieurs années, il a défendu avec succès à l'Université Jean Moulin de Lyon une thèse de doctorat en sciences politiques dont le sujet concerne la tragédie des Grands Lacs. Il a bien sûr plusieurs publications, pardon, que je ne citerai pas, sinon on resterait ici jusqu'au matin. Alors, je vous ai parlé de monsieur Charles Onana.
S'il vous plaît, ensemble. Oui. Oui, est-ce qu'on pourrait dire un tout petit mot en espagnol, s'il vous plaît? Juste résumé, très très vite, pour que nos amis, il y a nos amis qui sont venus d'Espagne quand même, qui n'ont pas compris grand-chose, donc ça serait bien de dire juste un petit résumé, au moins de signifier d'où viennent les candidats un petit peu. Mais j'ai le texte. Desde 1993, Phil Taylor combate para que la tragedia ruandesa sea pública y que las personas de todo el mundo sepan lo que pasa en Ruanda. Y recientemente ha contribuido a un trabajo que ha apoyado los refugios ruandeses que fueron amenazados por la cesación de protección por el UNHCR. Y tiene una emisión de radio en el mundo inglés que desde 1993 quiere hablar de todo lo que pasa en Ruanda y en Congo, y desde 2011 ha presentado aproximadamente 66 emisiones sobre África y la región de los Grandes Lagos. Charles Onana es un periodista de investigación. Sus investigaciones sobre la tragedia ruandesa y extendidos al Congo Zaire hacen incontestable su papel de experto reconocido en el plano internacional. De todos modos, creo que cualquier español de los aquí presentes conoce suficientemente a Charles Onana. Así que creo que con esto ya damos por terminado. Nous avions quelques présents pour notre honorariat. Thank you.
Je voudrais quand même expliquer à Monsieur Onana et Monsieur Tayalor la signification de ce présent. C'est symbolique, bon, c'est petit, hein, mais c'est symbolique. Alors, dans la tradition rwandaise, c'était un symbole de protection. Parce que vous en aurez besoin. Parce que ceux qui se battaient donc devaient en avoir pour se protéger, pouvoir rentrer sain et sauf chez eux. Voilà. Donc protégez-vous. Nous t'offrons cet outil qui a beaucoup compté dans la tradition rwandaise, qui a beaucoup compté dans nos sociétés et qui compte encore. C'est une gourde. Mais cet outil a servi beaucoup dans l'union de tous les Rwandais et jusqu'à ce jour. Et je ne sais pas si tu l'avais déjà encore vu, mais moi j'aimerais bien que tu découvres la finesse de cet instrument. Mais je dois te dire que nous avons partagé beaucoup d'années la bière de banane, le vin de banane dans cet outil-là, sur un seul et même chalumeau. Donc, c'est-à-dire que nous te offrons cet outil en te disant: bienvenue chez nous, nous t'accueillons, nous te servons notre vin de banane et nous t'apprenons que quand tu auras des invités chez toi aussi, fais la même chose. C'est un instrument de partage et d'accueil. C'est très très fragile, donc ça tombe, ça casse, mais ça n'a jamais cassé dans notre communauté rwandaise et ça ne cassera jamais. C'est un instrument d'unité et de communion avec tout ce qui nous entoure et tout ce qui vient à collaborer sur le combat, dans le combat que nous menons. Et à Charles Onana, tu es parmi les premiers. Merci beaucoup. She's going to explain to you what it means. Voilà. Le réseau international des femmes est honoré de vous offrir ce petit geste, mais qui compte beaucoup dans la culture rwandaise. C'est quelque chose de très important parce que ça a beaucoup de signification. Mais aujourd'hui, nous avons choisi de vous offrir dans ce petit geste, la paix, l'amour et la prospérité.